Paris. C'est parti. On va faire quelques visites. J'espère qu'il va pas pleuvoir, il fait gris. Et bah écoutez, c'est parti. Suivez-nous dans cette aventure à Paris. C'est parti, on va monter. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc on est dans le quartier de Montmartre. Ahmed, on a galéré à trouver une place. Dis-moi, il y en a 6 comme ça à monter? Je suis au bout de ma life là, j'en peux plus. Voilà, on y est presque. Bon, pour cette visite, on a décidé de ne pas prendre les filles. On a eu raison parce que elles étaient fatiguées. Et j'ai trouvé la petite maison rose là-bas. On est dans des petites ruelles là, super sympa, franchement. Ahmed, ouais, c'est la première fois que tu viens ici? C'est la première fois, je pense. Ouais. Peut-être que je suis venu ici en 1900, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans que l'école, mais. Je pense pas qu'on fait ça avec l'école. Hein. Montmartre, je pense que je l'ai fait. Ah, tu penses que tu l'as fait? Je pense que je l'ai fait. Ok. Bon, en tout cas, c'est super sympa, c'est super agréable. La galette des moulins, il y a plein. Et il y a plein de petits magasins. Ahmed, on va se faire un café, il nous faut un petit café, un petit truc sucré, une petite pause gourmande. C'est super sympa, franchement. Ça, c'est Paris, ça, c'est l'image que j'ai de Paris. On va rentrer puisqu'on doit rejoindre donc Fatiha et Bilal. Si vous avez regardé notre vlog Amsterdam, donc vous connaissez Fatiha et Bilal. Et ensuite après-midi, bon, on va commencer tout doucement les visites avec les enfants. Donc voilà, en tout cas c'était super sympa. Le soleil commence à sortir un petit peu, donc il fait déjà un peu plus chaud, on va dire. Hello, welcome back, coucou. Donc voilà, là on est avec les enfants, on est au complet, la famille est au complet. Direction le jardin du Luxembourg et Notre-Dame de Paris. Peut-être un petit tour par le pont, des arts, le pont des amoureux, hein, Ahmed. Et bah écoutez, voilà, on va voir. Il y a Fatiha qui nous suit derrière avec Bilal. La voiture elle est derrière, là, elle est juste derrière là-bas. Avec ses crocs. Ah, avec ses crocs, oui. Bon allez, on y va. Bonjour, bienvenue au jardin de Luxembourg. Le ciel n'est pas bleu, mais il est bien dégagé, il fait super bon. Et c'est sympa, franchement, c'est un joli parc, c'est vraiment un joli parc. Allez, on choisit une chaise. Et on s'installe, allez hop. Oh là là. Tu veux encore des gâteaux? I want that chair. Yeah, but I have to. Oh, you change your shoes? Yes, of course. Oh. My crocs are in there. I love my crocs. Voilà, Notre-Dame de Paris, elle est toujours aussi belle, hein? Toujours aussi belle, Notre-Dame de Paris, avec ma petite Marianne.
maintenant. Hein, Mariam? À Paris, écoutez, franchement c'était super, j'ai trop hâte d'être à demain et j'ai trop hâte de découvrir le reste. En tout cas j'espère que cette première journée avec nous vous aura plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye. Yeah, voici la tour Eiffel. Bilal, tu vas bien? Très bien. Bienvenue aux Galeries Lafayette. Bah écoutez, on va monter au 7e étage, on va prendre un peu de hauteur et on va voir la vue sur Paris et on fera un peu de shopping aussi, hein, puisqu'on est là aussi pour faire un peu de shopping. Le bâtiment, il est magnifique, hein, by the way. On est au 7e étage de la Galerie Lafayette et vous avez vu la vue? La tour Eiffel est là-bas, la vue elle est superbe et c'est gratuit, donc c'est un bon plan ça. Entre le Airbnb, donc on a un genre de living room comme ceci. Elles arrivent. Alors on a des chambres. Oh, donc ça, il y a une chambre. On verra. Il y a une deuxième chambre ici. Hop. On a il y a trois chambres en fait. Bon, Fatima va dormir dans le clic-clac. Et on a une dernière chambre ici. Bon, je crois que nous on va se mettre ici, Ahmed. Qu'est-ce que t'en penses? La dernière chambre ici, c'est bien? Hop là, voilà la dernière chambre. Et alors normalement, donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Il y a un salon ici, living room, une petite cuisine. Et on a ici la salle de... la salle de bain, petite salle de bain. Et le toilette. Voilà. Ranian Mariam, thank you Fatima. Ok, recoucou. Donc voilà, on est bien installé, hein, on s'est bien installé. Et donc là, les mecs ils sont partis chercher de quoi manger. Et en attendant, bah, les enfants ils sont en train de s'amuser un petit peu. Hanpati Hatgun, Tuwid Keshennes, Mariam, she's playing, Nasser. Bonjour, coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, direction le musée du Louvre. On va aller du côté du musée du Louvre, on va se rendre au jardin des Tuileries. Ensuite, on va prendre un bateau-bus. Hey, Samira, how are you, Samira? I'm fine today. Yes, alhamdulillah. So, on va partir donc du côté de... on va prendre un bateau-bus et on va faire différents points d'intérêt ici sur Paris. Vous allez voir, ça va être sympa. Il n'y a pas de métro? No métro? Fatima? Non. Comment ça va? Yes, ça va bien. Tu vas bien? Ça va bien. Are you ready? Yes, we are It's ready. It's not the first time you come to Paris? No, I think the 4 times, I think. Oh, I good, here. Okay. Yes. So, it's really nice. Yes. To walk, to see nice things. Here to are see the nice kids. Look at them. Where is Aya? Aya, where are you, Aya? Yeah! On est toujours dans les rues de Paris, on se perd un petit peu, on se promène. Là on s'est arrêté pour une petite pause gourmande là, dans une petite boulangerie. On est bientôt au Louvre. Encore 8 minutes de marche et on y est. Voilà, bah écoutez, c'est franchement sympa, les filles sont en train de s'amuser. Ta-da! Et les enfants sont dans la poussette, les petits, les plus petits sont dans la poussette.
On va aller du côté du jardin des Tuileries qui est juste en face en fait du Louvre. Donc le jardin des Tuileries est là et le Louvre est juste derrière. Donc c'est parti, il fait super bon, c'est super agréable. On va prendre le bateau mouche. Bateau mouche, non, le bateau bus plutôt. Utiliser ce moyen de transport, le bateau bus qui dessert 9 stations. Les 9 stations avec ben, les, on va dire, les incontournables ici à Paris. Donc voilà pour le tarif. Un jour 17, on a pris 2 jours 19 euros. Voici la tour Eiffel juste derrière nous qui est magnifique. Ben voilà, en plus il fait beau, les filles elles sont contentes, on est parti manger un petit bout vite fait, vraiment vite fait, parce qu'on a eu du mal à trouver du halal en fait. Et donc voilà, la tour Eiffel. Ok, dernier stop, Sephora. On est chez Sephora, c'est blindé. Donc on va regarder un peu le make-up et ensuite on va y aller. So we have chicken, rice. C'est même pas il est quelle heure, il est tard. On a mangé, on s'est douché et là ils sont en train de jouer. Moi je suis crevée, franchement je vais prendre mon livre, un livre que j'ai commencé, je vais lire un petit peu et je vais faire un gros dodo parce que je suis juste crevée. On a beaucoup marché aujourd'hui, pardon. On a beaucoup marché et alors au retour en fait il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de bus. Enfin si, on a pris un bus, il s'arrêtait je sais pas où et on a dû terminer la route 30 minutes à pied. Franchement voilà, j'étais crevée. Je vous montre un petit peu l'état du salon, venez avec moi. Ok, coucou. Voilà, bah écoutez, on va quitter le premier Airbnb, on va se rendre dans un hôtel pour une nuit et ensuite on va continuer la visite de Paris. See you later. Hein? See you in the mosque. Et bye. Bye. On se retrouve de nouveau et nous voilà, tadaaa, à la grande mosquée de Paris. Donc on va aller prier, on va aller visiter donc la mosquée. Elle est magnifique, sincèrement. C'est la première fois que je viens ici d'ailleurs. Elle est splendide, splendide, splendide. J'ai l'impression d'être au Maroc. Très belle architecture. Bah écoutez, on va aller découvrir ça. Vous voyez, il y a la petite librairie ici, El Bustan, qui est juste en face, dans le petit coin là, dans le petit bâtiment. Et vous avez aussi un café dans lequel vous pouvez boire du thé, manger des bonnes pâtisseries orientales. Et bah écoutez, on y va, hein, on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti, let's go. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan
venez au Trocadéro. Mes enfants, ils sont derrière avec les, avec ma cousine qui ne peut plus marcher. Elle est enceinte. Donc du coup, on va juste faire quelques petites photos, marcher un peu et je pense qu'on va rentrer tout doucement. Et voilà, bye bye Paris. Alors Ahmed, c'était bien? Ouais, c'était bien. Franchement, c'était sympa. Fois qu'on fait en touriste. En mode touriste. Comme quoi on peut être touriste dans son propre pays. Ça m'a donné envie de découvrir plus de villes, plus de villes, villages françaises. Ouais, français. Ah, c'est beau Paris, hein? Ouais, hein. Moi, je me vois bien habiter ici. Non? Je vais te dire quelque chose. J'ai rencontré des abonnés. Alors, assez pour aux Champs-Élysées. J'ai rencontré des abonnés d'Algérie, à la mosquée de Paris. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me supporter, à continuer à me suivre dans ces aventures, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. On est rue du Bac, hein, rue du Bac. Le musée d'Orsay, il est juste là. Voilà le grand bâtiment que vous voyez ici. Et donc on est assis dans une... on est assis dans une brasserie, là, la Frégate Brasserie. On va se prendre un petit truc chaud, un petit chocolat chaud. Et ensuite, on va donc choper le dernier autobus, bateau-bus, pardon, pour rentrer, récupérer la voiture et direction donc l'hôtel du côté du Sacré-Cœur. Voilà, pour cette journée, c'était sympa. On n'a pas fait énormément de choses. On a surtout pris notre temps finalement. On s'est beaucoup perdu, flâné dans les rues. Et c'était vraiment super sympa.